Et voilà que cette quatrième épreuve sourit à Aymar. L'écurie Britam Derby, bon an, mal an, continue son petit bonhomme de chemin. Troisième victoire avec Aymar. Kersé Ramsamy qui rongeait son frein à l'entrée du virage. Je sentais que le cheval est très très bien aujourd'hui. Et Britam, il sort une magnifique accélération pour repousser l'attaque de Castle pour gagner une bonne victoire et renouer avec le succès, comme on dit. Oui, c'est vrai. Comme on dit, heureusement, nous tenons un bon couloir qui nous réussit place devant Castle. Et ça qui est un avantage pour nous, qui nous suit devant lui. Mais comme il est mort, tout le temps, il est bien. Et c'est tout ça la couleur, là, il fait la différence auprès de ce bon sorti avant. Mais nous bien satisfaits, c'est tout, un propriétaire. Bien content. Alors, Britam, encore deux partants pour la journée, notamment Prince of Wales, un cheval qui vous tenait en haute estime. Comment Souvalin prend ce Duchesse et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui aujourd'hui? Oui, bien galopé Duchesse, il fait un joli quatrième. Malheureusement, cette fois-ci, il tient une mauvaise couleur, normal, une grande écousse. Il y a beaucoup de bons souvals comme Reddito Attack et Cara, il y a plusieurs bons souvals là-dedans. Mais le mieux qui, depuis la 17, sa distance-là, beaucoup mieux qu'il 400 mètres, 500 mètres dans sa faveur. C'est 19e couleur, s'il gagne une jolie place au premier 100 mètres, bien placé, vous pensez, c'est un mot à dire. Sinon, Starsky? Starsky, oui, définitivement, nous peut attendre mieux que l'année dernière. Peut-être pas au coup un petit peu court, mais pour une reprise, il est bien bon. Et ici, vous faites une jolie course. Eh bien, merci, Britam, et bravo. Donc, ça fait certainement plaisir d'être de la fête, comme on dit. Oui, merci. Bravo. Donc, voilà les impressions de Britam Derby après la belle victoire de Aymar, qui reste un cheval très combatif. Il le prouve une nouvelle fois en s'offrant une très, très belle victoire dans cette quatrième. Sur ce, on va bien sûr retrouver Rajiv. C'est à vous.